day. It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Stop. Rien ne vous choque ? Remémorez-vous attentivement la scène. Il s'est réveillé, il a allumé la lumière, s'est lavé, habillé, préparé, et il est sorti. Et là, il n'a rien oublié ? La lumière, bon sang de bonsoir ! Ne me faites pas croire que ça ne vous est jamais arrivé. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'il ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Et voilà ce que ce genre de petit incident mineur provoque. La lumière allumée participe au réchauffement climatique. Qui dit réchauffement climatique dit fonte des glaces. Enfin des glaces, des glaçons, c'est pareil, c'est juste plus petit. Et puis c'est pas la taille qui compte, hein. Enfin bref, qui dit fonte des glaces dit extinction des ours polaires. Et ce, pour le plus grand plaisir de leur principale proie, le phoque. Donc, les phoques profitent de cette tranquillité pour faire des bébés, plein de bébés. Et vous imaginez bien qu'ils ont une bonne grosse dalle. Que mange un phoque? Des poissons. Donc, l'équation est simple, plus de phoques égale moins de poissons. Mais tout ne s'arrête pas là. Prenons un second exemple, le riz. Où pousse le riz? Dans les rizières. Qu'est-ce qu'une rizière, me direz-vous? Une rizière est une parcelle ou un ensemble de parcelles réservées à la culture du riz ou riziculture. Merci Wikipédia. Et donc, la fonte des glaces va provoquer une hausse du volume d'eau. Et là, accrochez-vous, ça devient technique. Trop d'eau dans l'eau égale trop d'eau partout. Dans les océans, les fleuves, les rivières et les rizières. Et c'est à ce moment-là qu'un autre acteur entre en jeu, les Chinois. Si les cultures sont inondées, les Chinois n'ont plus de boulot, ni de riz. Mais les Chinois mangent du poisson. Et vous vous souvenez? Les poissons étaient mangés par les phoques. Donc, plus rien à se mettre sous la dent. Posons-nous 2 minutes. Il y a trop de consommation, les glaciers fondent, les ours meurent, les phoques se multiplient, ils mangent les poissons, l'eau inonde les cultures, les Chinois mangent du poisson et du riz, mais il n'y en a plus. Alors, vous avez compris? Je vous le donne en 1000, il n'y aura plus de Chinois. Et vous savez comme moi que les Chinois ont 2 activités principales. Ils visitent Paris et produisent des chaussettes. Et c'est sur ce second point que je voudrais revenir. Imaginez 2 minutes. S'il avait éteint sa lumière, les glaciers n'auraient pas fondu, les ours auraient continué de manger les phoques, les Chinois de pêcher les poissons et cultiver du riz, pouvant ainsi continuer à vivre sereinement et produire nos chaussettes. En laissant votre lumière allumée, vous condamnez la Chine et donc la planète. Alors s'il vous plaît, pensez aux autres. Cela vous prendra quelques secondes et vous pourrez faire la différence. Unissons-nous. Allons main dans la main éteindre nos lumières avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ne faites pas ça pour les Chinois, faites ça pour vos pieds. Ensemble, nous avons les moyens de rendre les choses meilleures et d'éviter un cataclysme. À vous de faire le bon choix. Personnellement, le mien est déjà fait.